Oui, pectiologique, mais vas-y quelque chose. Je suis donc content de voir les deux pouilleux à Bravo, à Tonga, qui sont CNF, qui ont peur, qui savent qu'on va être content de donner 40 000 $ mon Eddie. Ça va arriver au forum. On va l'avoir au forum. Notre 40 000 $ va être prêt. Puis ils vont savoir que les deux lutteurs qui vont lutter contre, qui seront pas de celles dans l'arène. Mais qu'est-ce qui nous intéresse beaucoup, c'est notre ami ici, Jos Leduc, qui va lutter contre qui, Tarzan? Dis-le au monde! Contre Tony Atlas, Monsieur Amérique. Ben, Monsieur Amérique, il va se faire du souffler ses gros bras. Mais que notre gars, c'est Jos Leduc, l'homme le plus fort au monde aujourd'hui, Jos Leduc, le meilleur lutteur. Il les a pas eu, ces bras-là, en levant des bois. Et lui, ils ont eu! Travaillez fort, d'où ce qu'il vient. C'est un homme capable. On le voit pas parce que tu es trop gros, toi, Joe. Pas de tour, toi. Tony Atlas, je sais que t'es un homme fort. T'es capable de faire du bench press dans le gymnase. T'es capable de lever bien des livres. C'est facile de prendre des poids qui sont morts, puis de les lever. Faut avoir un peu de concentration. Let me tell you something, Tony Atlas. You're a muscle head. And you're also muscle bound. Quand tu vas embarquer dans l'arène contre Jos Leduc le 23 septembre, au Forum de Montréal, ça sera pas dead weight que tu vas lever. Ça va être quelqu'un qui gigote en tabarouette. M'a dit ça parce qu'au Québec, on est capable de gigoter.